Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de muffins aux pommes. Très peu sucrés, ils sont parfaits pour un goûter par exemple, à emporter ou encore pour le petit déjeuner. J'espère que ma recette vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on commence par éplucher les deux pommes. Alors ici, j'ai pris une variété golden qui sera plutôt douce et sucrée. Puis on les coupe en quatre avant de retirer les trognons. On va ensuite couper les pommes en petits morceaux d'environ 1 cm. Voici ce que l'on obtient, on met alors de côté. Puis dans un saladier, on verse la farine, les deux œufs, la levure chimique, le bicarbonate alimentaire, le sel, le sachet de sucre vanillé, le sucre, le beurre fondu refroidi, la crème liquide, le yaourt et la cannelle en poudre. Je commence à mélanger un petit peu avec les pétrins de mon batteur électrique. Et je continue de mélanger avec une maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, mais sans trop travailler la pâte, sinon vos muffins perdront de leur moelleux. On ajoute enfin les pommes coupées en petits morceaux que l'on avait mis de côté. Et on mélange une dernière fois à l'aide de la maryse pour les incorporer. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On prend alors un moule à muffins dans lequel on dispose des cassettes en papier. Alors ici les miennes sont un petit peu hautes pour avoir de gros muffins. Puis on répartit la préparation dans les empreintes jusqu'à hauteur du moule. On préchauffera alors notre four à 180 degrés chaleur tournante et on enfourne pour environ 25 minutes de cuisson. Si vous voulez contrôler la cuisson, la lame de votre couteau doit ressortir humide mais propre. Attention, le temps de cuisson dépend aussi de la taille de vos muffins.
À la sortie du four, vous les réserverez délicatement sur une grille et on les laisse complètement refroidir avant de déguster. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Les muffins aux pommes sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi tous vos retours en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.